Ok. Ça l'aider. Bah, nous avons entendu à RFI que l'annonce du succès ou de l'échec des pourparlers était retardée de 3 heures, donc de 16 heures, ça passe à 19 heures local. Inch'Allah. It's very good situation now. So tell you why. I hope it will be okay. Yeah. I don't know. I don't... Le convoi journalier de l'ONU apporte vivres et médicaments. Ce sont les obus qui viennent d'où? Ah, je peux pas vous dire. Ici, on ne sait pas trop quoi. Ça va, ça vient un peu de partout. C'est vraiment faux de dire que c'est une guerre entre Serbes et musulmans. C'est une guerre entre les gens et les animaux. Qu'est-ce que vous aviez comme professeur? La majorité des profs étaient musulmans et croates. Il n'y avait que 4 ou 5 Serbes. C'était comme ça dans cette école. Qu'ils aillent se faire foutre. Pour des frontières, pour des nationalités. Jamais dans ma vie, personne ne m'avait parlé de nationalité. Pour moi, c'est horrible de voir tout ça. Pourtant, on était tous ensemble dans cette école. Même les parents y venaient. 4 mois que je suis soldat. Je ne veux pas être un soldat. Si je pouvais, je casserais la crosse de mon fusil au coin de la maison. Et je me ferais la malle, direction la France. C'est un moment vraiment, vraiment terrible. Quand vous prenez un flingue, quand vous devez tirer. Et moi, je suis là à attendre comme un con de prendre une bastos dans la tête. Tu es tué, 2 heures plus tard, on t'oublie. Tu étais un bon ami. Comme si tu n'étais jamais né. C'est comme ça chez nous. Le problème, il est chez les hommes politiques. Les hommes qui veulent le pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre? C'est une connerie. C'était tellement beau ici. Qu'allez-vous faire après la guerre? Qu'est-ce que moi...
Quand la guerre s'arrêtera, je vais aller sur une île. Regarder le reflet des étoiles sur la mer. All fighters, tous les combattants après la guerre ont besoin de paix.